All right, joining me at this time is a foremost Pan-Africanist and, of course, rights activist, Kemi Saber. Thank you for your time, Kemi Saber. Thank you very much, my brother. La paix sur vous. All right. Now, let's get straight to it. You've been at the forefront of the fight against particularly French neocolonialism in Africa. What would you say, just give us a picture of what the situation is like currently. Alors, je pense avant toute chose qu'il est important de remercier votre média, qui est l'une des plus grosses chaînes du Nigeria. Le Nigeria étant le pays le plus puissant d'Afrique, c'est un honneur pour moi d'être ici, en tant que président de l'organisation Urgence panafricaniste, en tant aussi que leader d'opinion dans le monde africain francophone. C'est très important pour moi d'être ici. Je dirais, pour rebondir sur votre propos, que notre combat est un combat contre le néocolonialisme de manière générale. C'est très important de le préciser. Mais il se trouve que parmi toutes les formes de néocolonialisme qui existent sur le continent africain, la forme la plus brutale, la plus globale, qui passe par l'économie, qui passe par l'aspect militaire, qui passe par l'aspect politique, qui passe par l'aspect culturel, c'est le néocolonialisme français. Et c'est la raison pour laquelle nous combattons plus que jamais cette forme-là de néocolonialisme. Cela ne signifie pas que nous ne voyons pas ce qui se fait ailleurs, cela ne signifie pas que nous ne voyons pas ce qui se fait de par les Chinois, de par d'autres populations, de par d'autres contrées qui ont d'autres objectifs. Nous sommes vigilants sur toutes les formes de colonialisme, mais celui qui continue le plus aujourd'hui, c'est le néocolonialisme français, qui se matérialise par les bases militaires, qui se matérialise par le franc CFA, qui se matérialise par un système de cooptation de nos dirigeants. Aucun des dirigeants d'Afrique francophone, la majorité en tout cas, n'est libre. Tous suivent un agenda fixé par le gouvernement français. Et cela, c'est quelque chose qui ne peut plus durer, évidemment. All right, let's dwell on the security situation, particularly in the Sahel region. Would you also want to say that neocolonialism or the French have a hand in this? Définitivement. Pour la simple et unique raison, mon cher frère, que la situation au Sahel est le résultat de l'assassinat de Kadhafi et de la déstabilisation de la Libye. Or, la Libye était le tampon qui empêchait les forces, les groupes djihadistes et les groupes terroristes de passer du côté de l'Afrique subsaharienne. En détruisant la barrière qui empêchait les djihadistes de passer en Afrique subsaharienne, ils ont donné la possibilité à ce que cette déstabilisation puisse s'accroître. Et cette déstabilisation a été structuré, organisé, planifié par le gouvernement français et le gouvernement américain. Donc, disons les choses telles qu'elles sont, la France qui joue aujourd'hui le pompier en disant qu'ils veulent être les partenaires et amis des pays africains au Sahel est la première responsable, ou du moins co-responsable, de la destruction, de la déstabilisation de nos États. Et on ne peut pas demander aux pyromanes de vouloir être celui qui va jouer le pompier. On peut pas lui faire confiance. You made reference to Gaddafi. Yeah. Apparently, it appears like you sort of buy into some of his ideals. Would you want to expand more on that? Je pense que Gaddafi, malgré tous les reproches qui peuvent lui être faits, comme tout un chacun sur cette terre, Gaddafi était un visionnaire. Quelqu'un qui voulait une monnaie unique africaine, qui voulait une armée unique africaine, qui voulait un satellite pour l'Afrique de manière générale, qui voulait le dinar or, c'est-à-dire une monnaie adossée sur les ressources or sur le continent africain, et qui voulait qu'on puisse être un État fédéral. Parce qu'il a compris que dans ce monde des grands ensembles, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a l'Union européenne, mais l'Afrique, on est tous des petits pays divisés, séparés. C'est quelque chose qui ne peut plus durer. Donc il prônait cette unité, et il savait que sans cette unité, l'Afrique serait divisée et déstructurée. Et cette unité fait peur au reste des nations occidentales, parce que ces nations tirent profit de nos divisions. C'est la raison pour laquelle ils ont tout fait, dès qu'ils ont entendu cette question du dinar or, ils ont tout fait pour l'assassiner, parce qu'un État fédéral africain avec une seule monnaie, c'est quelque chose qui était un danger pour eux. All right, still on this, would you say that, looking at the current situation on ground, that some African countries can actually survive alone without the influence of their former colonial masters? There are some of them, if you look at the economy of some of these African countries, quite a number of them, you know, depend on aid, foreign aid. So would you want to say that quite a number of them can survive
in all sincerity, without the influence of the African masters. Are we speaking just a little bit in English? Okay. Do you think that we are less strong than the other country in this world? Many countries in this world were colonized by European country. Why only African people need, in the 21st century, the European country? Are you sure that we need them, or they need our resources? And they make us believe that we need them. That's the real question that we need to ask, in my mind. On a été éduqué pour penser que les nations qui nous volent sont en réalité les nations qui nous sauvent. C'est quelque chose qui n'est plus possible. C'est une idée qu'on a mis dans nos esprits pour que les peuples les plus riches croient qu'ils sont en réalité les peuples les plus pauvres. On ne pourra pas continuer éternellement sur ce chemin. Moi, je pense, comme le disait Thomas Sankara, que nous avons toutes les possibilités pour prendre en charge nos propres ressources, pour tirer profit de nos propres ressources et pour faire en sorte de devenir des nations autosuffisantes sur le terrain alimentaire, autodéterminées sur le terrain économique et sur le terrain politique et sur le terrain culturel. All right, let's talk about the influence or the impact of the influence of this former colonial masters, particularly the French. There have been allegations that former French colonies, in a way, still pay taxes to their former colonial masters. What do you make of this? Alors, notre combat, j'ai été mis en prison pour cela. Notre organisation a des ennuis de par ses activités contre le franc CFA. C'est très important quand même de toujours le préciser. Nous avons mené un combat parce que justement, le franc CFA est une monnaie, et au-delà de ça, la zone franc est un système monétaire qui a été créé pour favoriser l'ancienne puissance coloniale, pour faire en sorte que les ressources de nos pays puissent être pillées sans contrôle de qui que ce soit. Cela arrangeait les entreprises françaises, mais ça n'arrangeait pas les populations et les entreprises africaines. Dans ce système de la zone franc, les nations africaines ont des difficultés à communiquer entre elles. Mais, dans le même temps, la France, elle, peut faire tout ce qu'elle veut en termes de business et évidemment de spoliation de nos richesses dans nos pays. Ça, ce sont les réalités. À côté de cela, il y avait en effet, pour ce qui est des comptes d'opération, qui sont les taxes dont vous parlez, après les mobilisations que nous avons fait partout en Afrique, francophone et même dans la diaspora, nous avons réussi à pousser historiquement le gouvernement français à mettre fin officiellement à ces comptes d'opération. Donc il n'y a plus de taxes officiellement aujourd'hui, mais le fait que nous soyons dans un système toujours de la zone franc où il y a un taux de change fixe avec l'euro, une parité fixe avec l'euro, favorise les entreprises françaises, mais ne favorise pas les populations et les nations africaines. Parce que le taux de change fixe arrimé à l'euro avantage les entreprises et les nations européennes par rapport à leur économie, mais pas par rapport à nos réalités, puisque l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Cela anéantit tout processus de compétitivité, et la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire dans leur écrasante majorité. All right. Now, let's talk about the recent coups happening in Africa, particularly some of the francophone countries. I mean, we know of Ibrahim Traoré of Burkina Faso. What's your take on this? Moi, je crois que ces coups d'État sont des expressions populaires, expressions de la volonté du peuple. Ceux qui ont fait les véritables coups d'État, ce sont les coups d'État démocratiques de dirigeants qui prennent des troisièmes mandats, alors que la Constitution prévoit deux. Ce sont des coups d'État démocratiques de gens qui, au lieu de suivre les intérêts de leur population, suivent tout le temps les intérêts de l'Occident et du gouvernement français. Et face à cette réalité et à la montée en puissance du panafricanisme en Afrique francophone, entre autres dû, il faut le reconnaître, à notre responsabilité, parce que c'est notre mission de vie, nous prenons des risques pour cela, nous mobilisons une grande partie de l'opinion publique pour cela. Par rapport à cette réalité, ce sentiment d'hostilité à la soumission vis-à-vis de l'Occident est monté jusque dans le cœur d'un certain nombre de militaires. Et certains militaires, en suivant la volonté des sociétés civiles, ont fait ces coups d'État. Ce ne sont pas des coups d'État comme avant, de militaires qui se lèvent pour eux-mêmes et qui veulent prendre le pouvoir pour eux-mêmes, c'est l'expression de la volonté populaire sur bon nombre de points. Et si ces militaires nous déçoivent, ils tomberont aussi, parce que la mobilisation continuera. So are you in support of the coup d'état? Not all, pas tous.
But particularly this last coup d'etat in French-speaking Africa, that's the expression of the grassroots in West Africa. Definitely. All right, let's bring it down to Benin Republic. Yeah. Where you're from. Definitely. Where I live. Where you live. Yeah. Mm-hmm. Recently, there was a parliamentary election there. Mm-hmm. What's your take on the general process? Moi, je pars du principe que le président Patrice Talon est l'un des plus grands autocrates et dictateurs que l'Afrique francophone ait connu ces dernières années. L'un des plus grands. Quand quelqu'un est à la fois le plus grand prédateur économique du pays et qu'il devient par la suite le président, cela crée un conflit d'intérêts parce qu'il a tout le pouvoir économique et militaire dans ses mains. Et donc, il peut faire semer la terreur dans son pays. On dit que ce sont des élections inclusives. Il faut mesurer le propos. Beaucoup de partis, la majorité des partis politiques d'opposition, n'ont pas été autorisés à concourir. Ceux qui ont été autorisés à concourir sont ceux qui ont fait des compromissions avec le régime Talon pour pouvoir se présenter aux élections. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans cette élection, il faut savoir que la majorité de la population qui avait la possibilité de voter n'est pas partie voter. C'est très important ce que l'on dit. Il y a eu 66% de taux d'abstention. Ça veut dire que la majorité de la population n'est pas partie voter. Et dans cette minorité qui est partie voter, il y a eu une division des votes. L'opposition parle de trucage, dit qu'il y a eu fraude électorale. Le temps nous dira. Ce que je sais, c'est que le président Talon ne laissera jamais, dans les conditions actuelles, une opposition réelle se présenter, se prononcer. Mais la majorité de la population ne se reconnaît pas dans le président. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas partis voter. All right. Before I let you go, what's your take on the administration of President Patrice Talon? Some have said that his government tried to stifle opposition, while some totally disagree. That's exactly what I said just a few minutes ago. I answered about this question. I said that Patrice Talon is probably the most biggest dictator in West Africa, definitely. One of the most dangerous predator, economical predator, and political predator too. The majority of the opposition was expelled of the running in this election. It's important to precise that even if there is few political party of the opposition, but the majority were not in authorized to run. Very important. And in the last word, I can say that Patrice Talon wants the power for him and for all his clan, his team, his staff, his oligarchy. You understand? Mm-hmm. And he will never let, in a fair game, the opposition run and fight against him. Never. So I think that we need a revolution in a civil way, very important. And we work about it, definitely. And I assume that. I assume that we need that the civil society could be able to express our wish or our will of change. That's very important. Thank you for your time, Kemisele. Je vous remercie. All right. Thank you very much. Thank you. Yeah.